Ah, il y a quand même de très bonnes musiques sur FIFA. À part ça, bienvenue sur Hat Factory, c'est Throwback 13 pour le deuxième épisode de Reborn on Bronze, la série totalement bronze. Pour ce deuxième épisode, je choisis mes maillots, celui du München 1860 et de Boca Junior. Ensuite, pour le stade, c'est le Kingfish Stadium où il ne pleut jamais, donc c'est fort utile. À part ça, le jeu, c'est Lusitano qui l'a gagné. Encore un portugais, avec Hat Factory, ça fait 1. Car oui, Manga Act est d'origine portugaise, le bâtisseur. C'est sur le Portugal le premier épisode, mon meilleur buteur est Vasté. Demain je vous prépare un truc sur un portugais. Mais sinon, franchement Lusitano, tu pouvais pas me choisir un autre buteur. Franchement, je dis quand même que la célébration est vraiment épique sur FIFA 14, je ne dis pas non, elle sera un peu comme celle de Tevez avec son super déhanché. A part ça, j'ai trouvé que le buteur que tu m'as passé, Lusitano, est vraiment pas mal, donc les prochains gagnants du prochain jeu, pourquoi pas créer une équipe autour de lui quand j'aurai 11 joueurs de champ, avec le gardien bien sûr. Alors, sinon l'équipe que vous avez choisie, c'est celle-là, donc le numéro 6 si vous voulez savoir. Alors, deux défenseurs assez rapides mais surtout costauds, le gardien très bon, deux latéraux... Pas très rapide mais ça va ça tient quand même ça tient la route. Tirala qui est très très bon, 4 étoiles en geste technique, 4 étoiles en pied faible. Grosso avec une sorte de Hulk, mais vraiment le Hulk hein, celui qu'on connaît. Jacek Klieb super aussi, ailier droit, grosse frappe du gauche. Et Sikorski c'est pas mal du tout en vitesse aussi. Nouvelle formule sur le Ribbon of Bronze, je vais arrêter un peu de délai. Et je vais un peu plus commenter la série. Alors je commence très vite avec toujours mes petits skills. Oui, bon, c'est pas passé. Je sais ce que vous allez me dire. Comment tu fais? Je ferai un jour, je vous promets, un tutoriel. Je pensais que c'était assez facile, mais je pense que s'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est que voilà, j'ai un petit truc qui fait que ça marche. C'est vrai que ça marche. À part ça, sur le match, ils croyaient que voilà, bronze, c'était de la merde, mais vraiment défensivement, mes joueurs en 1 contre 1 sont vraiment énormes. Jacek Klieb qui élimine son vis-à-vis et qui frappe avec sa patte gauche, mais c'est trop loin. Petit but un peu raccro, mais but quand même. Donc 1-0, but de Sikorski. Et franchement, à la récupération, c'est des vrais chiens. Alors, Grosurek là qui attend la petite course. Regardez, une passe parfaite. Bon, je m'amuse un peu avec l'adversaire parce que je me disais, faut quand même que je montre quelque chose de bien avec cette équipe. Et franchement, c'est pas mal du tout. Mais je me demande pourquoi Klieb n'a pas frappé du gauche. Bon sang. Après les frappes de loin, ben voilà quoi. Elles sont pas faites pour ça, les pauvres. Ça marche pas trop. Et là, l'adversaire fait encore une relance mergique qui me permet, avec Sikorski, ça ne pardonne pas de marquer. En plus, il se livre assez vite. Sikorski qui va pas se faire attendre et qui décoche une grosse frappe ananas. Ok, bref. même quand je suis sérieux, ben, je peux pas m'arrêter de faire des conneries. Alors ensuite, je sais, je m'amuse encore avec l'adversaire. Ça aurait pu être un superbe but si Klieb n'avait pas frappé avec son vrai pied. Ou même j'aurais pu contrôler. Mais bon, les contrôles avec ces joueurs, c'est pas terrible, terrible. Et là, ben, duel avec le gardien, je me dis, allez, je vais le dribbler. Mouah, presque. Franchement, je me disais, j'ai gâché pas mal d'occasions, franchement. Mais en même temps, je tentais pas mal de choses. Et le gardien, ben, il a été mis à la contribution. Ça aurait été vraiment. Ce qui serait vraiment dommage, c'est de prendre un but un peu bête sur une attaque anodine à la 45e minute. Vous savez, juste au retour des vestiaires. Un but totalement en compte, quoi. Qui se base sur la vitesse de ses attaquants. Ah, comme ça, voilà, comme ça. Ah, putain. Ah, putain. Enfin, bref, deuxième mi-temps. Et Klieb qui montre qu'il n'est toujours pas satisfait de ce 2-1 et qui dribble. Dommage que sa frappe n'est pas terrible des fois, mais il peut centrer pour Grosurek. Vraiment énorme ce joueur, 1m89, mais vraiment il est très 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 bon. Ensuite, encore un duel. Petite roulette fail, mais qui passe quand même. Là, c'est 3 contre 1, voire 4 contre 2 maintenant. Et je me dis, non, c'est trop facile. Allez, Sauveur, tu me tires ça. Ah putain, des fois je me demande si je suis pas trop con. Ensuite, regardez, la récupération, c'est mort de faim, ils sont toujours là. Il lance Tirala qui va montrer qu'il a 4 étoiles en geste technique. Allez, je devais m'amuser. Je me dis, c'est le seul joueur qui peut me rendre un match un peu plus intéressant. Bim, allez, toi tu rentres chez toi. Et toi, oh, mais si c'était passé. Oh, mais regarde ça au ralenti. Le petit arc-en-ciel. Oh là là, on peut voir toute la rage du défenseur. Allez, un petit penalty. Et puisque c'est pas amusant de tirer avec un joueur, je vais le tirer avec le goalkeeper. Et franchement,
Je vais dans le rouge. Ah putain, mais franchement, c'est quoi ce penalty? Je vais dans le rouge, mais je marque quand même. Ah putain, truc de fou. Truc de gueudin, quoi. Ah, tu es moi, bref. Alors ensuite, Grosjean qui n'est pas encore satisfait, qui fait encore des misères sur son côté gauche, qui lance le latéral gauche, je vais pas dire son prénom, son nom. Et petit corner, et corner qui donne une frappasse de la tête. Et putain, ça s'écrase sur la barre. À part ça, je gagne 4-1. Bon match, bon match, bon match. Ça me fait plaisir, des petits matchs comme ça. J'aurais pu aggraver le score. Ensuite, deuxième match, toujours la même équipe. Alors, ensuite, là, c'est toujours une full presque gold. C'est une équipe de Stoke City, vous savez, les Destroyers de la Première Ligue, les casseurs de jambes, les gros Golgoth. C'est parti, et je commence déjà, et bim, allez, prends-toi ça, mon petit joueur, et il n'y a pas faute. Ensuite, ben moi, je réponds très très vite, avec une passe en profondeur pour Kylian, mais putain de merde, son contrôle est à chier. C'est assez dommage, c'est assez dommage, et mon contrôle de mon défenseur est à chier, et qui permet à l'adversaire de tirer, mais mon gardien est présent, présent, présent. Franchement, ça me déprime un peu de pas dire des conneries, mais bref, Grodrick qui vient, qui s'infiltre dans la surface, et bim. Ah putain, presque à côté. Non, à côté plutôt. Ensuite, moment de Filippo Inzaghi. Le moment très opportuniste. Le but, le premier but, Grosurek. Ah, mais franchement, mes défenseurs, ce qui me font un peu chier, c'est qu'ils sont très très bons en duel. Vous savez, c'est un peu à la Chiellini, mais tactiquement, ils sont vraiment pas placés. C'est un peu dommage. Mais Grosurek, avec sa frappe du gauche, et il me libère là. Là, il me libère. Allez, vas-y, monte-moi ta petite cuisse gauche. Oh putain, il monte la droite. Bon, en même temps, je t'ai pas demandé d'être intelligent, juste d'être bon. Ensuite, Sikorski qui allume le gardien. Sinon, j'espère vraiment que le premier épisode de Ribbon of Bronze est passé et que vous n'avez pas de séquelles, car moi, oui, j'en ai dans mon jeu. Regardez, putain, qu'est-ce que je suis con, mais sérieux. Non, je t'en supplie, s'il te plaît, ferme ta gueule. Merci. Allez, faut que je me venge, faut que je me venge. Allez, gros Zurek, tu vas me régler ces soucis. Tu vas mettre une bonne frappe du gauche et c'est parti, putain, jeu de merde. Enfin bref, je voulais aussi faire un top 3 buts choisis par vous dans cette série, tous les 5 épisodes, donc du 0 au 4ème pour la première tranche. Ceci n'est pas un but, alors que j'aurais pu faire une passe toute simple. Enfin bref, je suis trop compliqué dans ma tête. Oui, donc un top 3 buts choisis par vous, je ne sais pas si vous êtes chaud. Parce que oui, c'est vous qui choisissez vraiment tout dans cette série. Super, je prends un but, ou sinon vous faites un top 3 buts, mec, je me prends. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes vraiment chaud. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre, de suivre Red Factory. Je vous suis vraiment très reconnaissant. À part ça, ben c'est la fin de la vidéo. Je vais encore vous demander un truc, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 4. La petite question apparaît maintenant. Je vous laisse. Jouez bien, mais pas trop. Allez, ciao.